sais pas ce que j'ai ce matin, mais je vais boire un petit verre d'eau parce que là, c'est... Oh mon Dieu. Coucou Gérard, c'est nous. Qu'est-ce que t'as, Gérard? On t'a fait peur ou quoi? Excusez-moi, mais c'est alors que... Ah, je suis désolé. Puis ce matin, je suis tout nerveuse. Ça se voit, qu'est-ce qui t'arrive? Mais c'est à cause de Jean-Robert. Hier soir, on est allé voir un film au cinéma. Ouais. Mais un film d'horreur, mais alors? Mais une horreur, je t'ai tout retourné, c'est tout. C'était quoi comme film? Alors, le film s'appelait Le loup-garou, mort toujours de foire. Oh, tu vois, l'histoire démarrait bien. Alors, c'est l'histoire d'un type très charmant, très grand, enfin, bronzé, musclé, qui regarde des yeux, qui ne la type pas. Qu'au milieu de la nuit, il se transforme en loup-garou. Alors, une bête hideuse, tu sais, avec plein de poils. Et puis, tout caca doigt, mais de partout, horreur, une horreur. Moi, ça me dit que c'était un bon film d'horreur. Mais tu te rends pas compte, Karen, mais celui qui invente des histoires pareilles. Mais il est à enfermer. Mais pour inventer ça, tu sais, crois-moi, faut être malade. Tu sais, peut-être qu'il l'a pas complètement inventé, parce que les loups-garous, il paraît que ça existe. Surtout les soirs de pleine lune. Tu peux pas dire que ça existe. Non, ça n'existe pas, voyons, Gérard. Mais c'est dommage. Mais comment ça, dommage? Bah oui, ça peut être excitant. Le loup-garou, c'est une puissance animale, c'est... Puissance animale? On dirait que ça t'excite, mais tu te rends pas compte, c'est pas de quoi tu parles, Claire. Mais un loup-garou, c'est un espèce de corps tout sec, avec plein de poils, puis une grande bouche, avec des grandes dents immondes. Mais c'est une horreur, Claire. Mais non, je t'assure. Mais ça dépend, Gérard, ça peut être tentant. Ouais. Non mais, les filles, imaginez, un loup-garou qui aurait le visage et le corps de Daniel et qui foncerait droit sur nous, prête à nous dévorer toute crue. Oh, ce serait excitant, ça. Bon, allez, c'est pas tout ça, les filles. Mais si on veut plaire au loup-garou, faut aller faire du sport. Allez-y, je vous rejoins, juste le temps d'acheter une crème. Une crème, tu es la même que la dernière fois? Ah, oui, elle était super. Bon, bah, j'y vais, alors. Pardon. Oui, mais... Oh, Gérard, mais écoute, fais pas cette tête-là. Mais c'est incroyable, on dirait que t'as peur qu'un loup-garou jaillisse du tiroir. Bah, dis vrai, c'est un petit peu ça. Gérard, écoute... Mais oui, mais c'est vous, les filles. Vous vous entendez un petit peu, mais parler d'un loup-garou, m'a rien d'en parler. J'ai la chair de poule. Attends, on peut vérifier? Ah, bah, c'est vrai. Arrête, écoute. Non, de toute façon, c'est décidé. Hein. Jamais plus je retourne au cinéma avec Jean-Robert. Que ça porte malheur de faire des choses pareilles. Mon pauvre Gérard. Mais remets-toi, écoute, tout va bien. Puis de toute façon, tu sais, je te jure que, hélas, les loups-garous, ça n'existe pas. À tout à l'heure. J'aime bien que ça n'existe pas, les loups-garous. Ça n'empêche pas d'avoir peur. Je fais un peu dans le chemin. Mais vous avez raison, je vais prendre un petit verre d'eau parce que, je sais pas, ça va pas très bien, là. Gérard, c'est Charles. Mais qu'est-ce qu'il a? Gérard, c'est mon déguisement qui te plaît pas. Gérard, c'est pour le bal masqué de ce soir. Gérard, t'es bizarre comme garçon, toi. Gérard. Oh, Gérard, t'es pas mort. Gérard, ça suffit maintenant, hein. Tu vas pas... Écoute, Gérard, tu te réveilles ou je te gifle. Gérard, tu vas pas tomber dans les pommes à cause d'un masque, quand même. Gérard. Gérard. C'est pas possible, ça. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Je peux pas le laisser comme ça. J'ai pas le choix, hein. Ah, excusez-moi. Excusez-moi. Gérard, c'est ma dernière tentative. Maintenant, tu te réveilles, Gérard. Gérard, j'ai dit debout. C'est pas vrai, ça. Gérard. Mais ça va pas ou quoi, Gérard? Mais ça va mieux, Gérard. Ça va pas, non? Mais c'est un lit du trompe-côté qui m'a fait peur, là. Mais quoi? Mais c'est moi, Gérard, j'avais pas mon masque, là. Ah, mais te voir d'aussi près comme ça, c'était monstrueux, je suis désolé. Merci, hein. Non, mais c'est...
Charlie, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Tu vas arrêter, Gérard, c'est un masque, hein. Tu vas pas recommencer maintenant, hein. Non mais je sais bien, Charlie, ça lançait plus fort que moi. C'est que ce Jean-Robert, on est allé voir un film d'horreur hier soir. C'était une horreur, je suis retourné. Bah oui, comprends-moi aussi. Mais quelle idée d'aller voir des films d'horreur, Gérard? Je suis bien de ton avis. Seulement c'est... Calme-toi. C'est Jean-Robert. Qu'est-ce qu'il a? À chaque fois qu'on va au cinéma, c'est lui qui décide de voir le film. Et avec lui, on court à catastrophe. Hier, il voulait voir un film sur les loups-garous, tu te rends compte? Alors moi, quand je t'ai vu arriver avec ça sur la tête, tu penses bien que j'ai eu peur. Oui. Tu vas mieux, là? Ah oui, ça va mieux, merci. Bon. Moi aussi, j'ai horreur des films d'horreur, Gérard. Oh, oui. Je sais pas d'ailleurs où ils vont trouver leurs histoires. Hein. Oh, je suis bien de ton avis. Tu sais, tous ces auteurs de science-fiction, je me demande s'ils ont la lumière à tous les étages. Mais le pire, c'est que ça plaît, qu'est-ce que je te le dise? Non, ça plaît. Petite minorité de marginaux un petit peu ébréchés, hein. Mais pas du tout! Tiens, j'en discute avec les filles, elles adorent ça, t'as qu'à voir. Comment ça, mes voisines, elles adorent ça? Oui, elles adorent ça. Comment ça? Elle trouve ça excitant, ça les excite. Comment ça, ça les excite? Bah oui, elle les excite, elle trouve ça viril, tu vois. Enfin, quoi, les loups-garous? Bah oui, elle trouve ça viril, mais tu te rends compte? Ces histoires de bonnes femmes, remarque, elles sont tellement bizarres, les bonnes femmes, tu me diras aussi que... Comment tu sais ça, toi? Comment tu sais ça? Bah elles sont là, elles font du sport, c'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure, c'est pour ça. Bah, elles sont là? Et tu ne me l'as pas dit, Gérard? Mais non, mais c'est... parce que... Sympa, Gérard, merci, sympa, hein. Oui, bon, bah moi, je vais prendre mon petit verre d'eau parce que moi, je l'ai bien mérité, quoi. Non, mais ils sont pas compte, j'en mets partout aussi, c'est... Non, attendez! Non, attendez! J'ai rien fait, je vous assure! Non, calmez-vous, c'est moi, Madame Bellefeuille! Georgette Bellefeuille? Bah oui, seulement Madame Bellefeuille! C'est dingue, ça, les filles, Charlie, puis vous, maintenant, mais qu'est-ce que vous faites avec ça sur la tête? Gérard, je venais juste essayer mon masque pour mon bal costumé de ce soir. Comment vous me trouvez? Écoutez, Madame Bellefeuille, vous n'avez pas pu trouver un autre déguisement que ça? Je vous assure, le monde est malade. Qu'est-ce que vous avez tous à trouver les monstres jolis? Non, c'est fou, je sais pas, moi. Un prince charmant, c'est quand même plus beau, non? Ben oui. Charlie. Oh, t'as raison, mais attends, t'as rien vu encore. Hein? Comment ça, j'ai rien vu? Elle veut simplement dire que ça peut être pire. Je vois pas comment ça peut être pire. À l'usage, tu comprendras. Bon, en tout cas, c'est pas tout, va falloir trouver un déguisement pour le bal costumé de Madame Bellefeuille. En fait, elle en organise souvent, des bals costumés. De temps en temps. Oh, moi, j'adore ça, les bals costumés. Partir à la recherche du prince charmant, caché dans la foule, sous un masque. Vous croyez qu'il va se déguiser en quoi, Daniel? Attends, en quoi veux-tu que Daniel se déguise? En prince charmant, forcément. Mais c'est pas un déguisement, ça. Daniel, c'est le prince charmant. Tiens, Léna. Bon esprit. Merci. Je vous avais pas entendu, vous étiez là? Eh ben toi, je croyais que tu travaillais. Oui, mais c'est fini. L'acheteur était du genre super rapide. De toute façon, c'est pas l'appartement qui l'intéressait, mais un rendez-vous en tête-à-tête avec moi un soir. Et alors? Et alors, je lui ai donné pour la semaine prochaine. De toute façon, faites-moi confiance, je lui reparlerai de l'appartement. Et vous étiez où? À la salle de sport. Oh tiens, regarde là. Mm-hmm. C'est joli, hein? Mm-hmm. T'as pensé au bal masqué ce soir? Ah non. Ah, j'ai oublié. De toute façon, je pourrais pas venir, j'ai un dîner. Oh, non, t'es sûre, Madame Bellefeuille va être très déçue, hein? Ah oui? Bon, alors attends, je vérifie. Oh non. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas un dîner, j'en ai deux. Sabine, comment ça, deux dîners? Bah oui, j'en ai un avec Jean-François et un avec mon patron. Oh bah ça vous fait rire? Bah oui, écoute, tu pourrais faire attention quand même, non? Non, c'est pas grave. Mais si, c'est grave, vous connaissez pas Jean-François, il est tellement mignon, je peux pas lui poser un lapin. Alors c'est pas compliqué, t'as qu'à annuler ton autre rendez-vous, c'est tout. Annuler un rendez-vous avec mon patron? Mais comment veux-tu que je fasse? Oh les filles, il faut que vous m'aidiez. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Eh bien, il y en a une de vous qui va au dîner avec Jean-François, et quand j'ai fini mon dîner avec mon patron, je prends la relève. Ça, la relève? Ben oui, de toute façon, j'ai toujours préféré les deuxièmes parties de soirée. Alors, c'est d'accord, Claire? Oh, mais non, mais écoute, moi, je suis désolée, mais je me suis engagée. Non, je peux pas faire ça à Madame Bellefeuille. Et puis, j'adore les bals costumés.
Et toi, Karen? Bah écoute, Sabine, je t'assure que ça aurait été avec plaisir, hein, mais là, je viens justement d'accepter le bal masqué, alors comme ça, tu comprends, décommander à la dernière minute, c'est pas gentil, quoi. Et toi, Luna, t'as toujours détesté les bals costumés? Moi, non. Ah bon? Mais c'est nouveau. Bah oui, t'as raison, c'est peut-être nouveau, mais ça fait pas longtemps que j'aime ça, et j'adore ça, les bals masqués, moi. Bah vous êtes pas sympas, les filles. Comment je vais faire, moi? Si j'annule mon rendez-vous avec Jean-François, je risque de plus jamais le revoir. Si j'annule mon rendez-vous avec mon patron, il risque de me mettre à la porte. Pff, seulement, j'avais pas dit que je connaissais un super photographe. Qu'est-ce que tu racontes, là? Bah oui, je suis coincée ce soir parce que j'ai dit à mon patron que je lui présentais un super photographe. Ah bon, parce que tu vas présenter un super photographe à ton patron? Ben oui. Mais quel photographe, Sabine? Ben, Daniel. Tu vas dîner avec Daniel ce soir? Ben oui, je présente mon patron. Non, non, attendez, ça veut dire que Daniel, donc, il ne va pas venir au bal costumé? Ben non, puisqu'il dîne avec moi. D'accord, ok. Ma petite Sabine, ton... Jean-François, c'est ça, Jean-François? Il est comment, Jean-François? Ah, mais peu importe, Karen. Non, non, c'est moi qui vais me dévouer. Je vais aller m'occuper de ton Jean-François, Sabine. Mm. En attendant que Daniel soit libre. Enfin, en attendant que tu sois libre, bien sûr. Non, c'est moi. J'ai toujours détesté les bals masqués. C'est horrible. Les esprits se donnent rendez-vous tous les quarts de siècle, les jours de pleine lune, à 3 heures. Ça va, il n'est pas 3 heures. Oh, ça va, je sais que c'est pas vrai, ces histoires, c'est pas possible. Hey Charlie, c'est... Daniel. Mais qu'est-ce qui t'arrive, là? Mais moi, rien, rien. Mais... Enfin, rien. Regarde ta tête. Il y a quelque chose qui ne va pas, là. Mais non, c'est mon livre. Il raconte des histoires bidons sur les fantômes et les loups-garous. Moi, ça m'angoisse. Mais pourquoi tu les lis, alors? Et pour me documenter. Mais pourquoi? Mais pour le bal costumé de Madame Bellefeuille. J'ai décidé de me déguiser en loup-garou. Bonne idée. Et toi, tu vas te déguiser en quoi? Moi, rien. Ah moi, bon? Je peux pas y aller. Mais pourquoi? J'ai un dîner avec Sabine et son patron ce soir. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit, là, Daniel? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit que j'ai dîné avec Sabine et son patron, et alors? Comment et alors? Mais est-ce que t'as pensé une seule seconde à moi? Et qu'est-ce que tu vas avoir là-dedans? Enfin, Daniel, tu sais bien que je suis amoureux des voisines, non? Je trouve ça vraiment d'une indélicatesse de ta part d'aller comme ça dîner en tête-à-tête avec elle. Vraiment. Mais d'abord, Charlie, ce n'est pas un tête-à-tête. Hein? C'est un dîner de travail. Sabine doit me présenter à son patron pour faire la plaquette annuelle de sa société. Voilà, c'est tout. Mais enfin, Daniel, justement le soir du bal costumé où j'allais être complètement craquant en loup-garou, j'allais faire délirer les filles, et toi, tu m'en prends une. Bon, il t'en reste 3. Même 4 si on compte Madame Bellefeuille. Hein? Ah, t'as raison. Hein. C'est vrai, il m'en reste 3. C'est vrai, excuse-moi. Bonjour. Tu es sûr que les loups-garous font vibrer les femmes, Charlie? Ah oui. Écoute, Daniel, ça a été prouvé. C'est comme l'effet érotique des moustiques d'Asie sur les filles. Ça les fait complètement craquer. Ça a été prouvé presque de façon scientifique. Hein. Et pour les films d'horreur, c'est la même chose. Ça les rend dingues, les filles. Oui. Vraiment? Oui. D'ailleurs, j'ai vérifié. Enfin, l'important, c'est que tout soit parfait. Que je sente bien mon personnage. Et que le costume et le maquillage me collent à la peau. Mm-hmm. Et c'est ça, ton costume? Mais non. Ça, c'est ce que je voulais mettre avant, ça. Non. Avant quoi? Avant que je me rende compte que les loups-garous faisaient craquer complètement les filles. Non, non. C'est pas avec ce masque de pacotille que ça va marcher. Il faut que j'ai vraiment l'air d'un loup-garou. Tu comprends? D'ailleurs, j'ai fait appel à une star du maquillage. Ah bon? Ouais. Le type, il a fait les maquillages sur La Planète des Singes, La Guerre des Étoiles. Il a même fait les clips de Michael Jackson. Une star, une star. Il a des mains en or. Ah oui. Oui, il est un peu cher, c'est vrai. En fait, Daniel, je vais te demander...
pourrais pas me prêter 4 ou 5 000 francs, s'il te plaît? Léna, tu me passes une 49, j'ai fini la mienne. Merci. Non, mais franchement, vous trouvez ça épanouissant, vous d'éplucher les carottes? Non, pas vraiment. Mais au moins, ça me calme. On veut que les pommes de terre, hein. Enfin, si on veut, oui. Non, écoutez, c'est pas possible. On peut pas rester comme ça sans réagir. Faut faire quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, non, mais on peut pas rester comme ça sans rien faire alors que Sabine va dîner avec Daniel en tête à tête. Bon, arrêtez d'éplucher. Écoutez, faut se secouer. Bon, t'as raison. On arrête la carotte et on part en guerre. D'autant plus qu'on peut même pas se consoler sur son Jean-François, là, et monsieur à la varicelle. Daniel, j'imagine en tête à tête avec Sabine. Je suis sûre qu'elle va lui sauter dessus. Oh, ça, je crois le pire. Oui, alors là... En plus, Daniel, il est tellement gentil, il dira jamais rien. Le pauvre, il va être tout gêné. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Oh, je sais pas, mais bon, pour le moment, on laisse tout tomber les carottes et puis il faut faire vite, là. Il faut faire quelque chose. Bah, attendez, vous savez ce qu'il faudrait faire? En fait, il faudrait trouver l'adresse du restaurant où il dîne et puis en douce, aller les surveiller. Bah oui, mais on fait comment pour trouver l'adresse du restaurant? Oui, bah attendez, ça, je me vois difficilement demander à Sabine. J'ai une idée. Bougez pas. À quoi tu penses, hein? Jacques, le patron de Sabine. Je le connais bien. Je vais l'appeler. Ah. Hey. C'est bon, ça sonne. Allô, Jacques. Bonjour, c'est Claire. Vous vous souvenez de moi? Oui. Oui, Jacques, ça fait bien longtemps qu'on ne s'est vus. Je me disais, est-ce que vous seriez libre par hasard ce soir? Ah, vous avez déjà un dîner? Ah, mais oui, bien sûr, avec Sabine. Oui, je suis bête, je l'avais oublié. Et vous dînez où, déjà? À la chaumière? Oui, très, très bien. Non, 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 je vais pas vous déranger, non. Un rendez-vous d'affaires, c'est important. Oui, on dînera ensemble un autre soir. Oui, oui, très bien, Jacques. D'accord. Au revoir. À la chaumière, 21h. Et en plus, je sais où c'est. T'es super sereine. Allez, les filles, au travail. On oublie le mal masqué de Madame Bellefeuille. Allez, hop, on y va. Allez. C'est à cause du film d'horreur d'hier soir. C'est... Je suis tout retourné, moi. C'est vraiment pas drôle. Bon, une. Deux. C'est la cheville. Je me suis tordue tout à l'heure, là, forcément, c'est un peu douloureuse, quoi. Je peux avoir une autre serviette, s'il vous plaît? Mais bien sûr, bien sûr. Voilà. Merci. Et je vous en prie. Et disons, si je commence à avoir peur de tout le monde, moi, alors... Une. Deux. Eh ben, Gérard, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus mon masque, maintenant. L'émotion, encore, l'émotion. Ah bon, mais ça va mieux, sinon, Gérard? Oui, beaucoup mieux, je vous remercie. Oh, Gérard, faut que je vous raconte. Oui. Oh, figurez-vous que j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec Monsieur Mamounian. Ah, oh, bah, c'est bien ça, Madame Bellefeuille. Mais qui c'est, Monsieur Mamounian? Monsieur Mamounian? Mais c'est le plus grand maquilleur sur la place de Paris. Ah oui. C'est un as des effets spéciaux. Ah, oui. Il m'a promis de me transformer en monstref. Il va me rendre encore plus horrible que tout à l'heure avec mon masque. Plus terrifiant. Enfin, Madame Bellefeuille. Oh non, mais Gérard, il m'a dit que bien sûr, il y en aurait au moins pour 3 heures de patience et d'effort. Mais ça m'est égal. Oui. Je suis prête à tout pour séduire mon petit Charlie. Enfin, vous n'y pensez pas. Vous n'allez pas vous transformer en monstre pour séduire Charlie? Oh, mais si! Et je suis sûre que ça va marcher! Il va craquer! Je m'en régale à l'avant, Gérard! Oui, bah, tant mieux. Ah, bah justement, elle est là! Vas-y, vas-y. Bonjour, Madame Bellefeuille. Bonjour! Alors, ça y est? Les déguisements sont prêts pour ce soir? Justement, on est descendu pour vous parler à ce sujet. On a un petit problème. Oui, on est désolé, hein, mais je crois qu'on va pas pouvoir venir à votre bal masqué. Ah bon? Non. Mais pourquoi? Eh ben, on a un empêchement, problème de famille. Enfin, voilà. Vous savez ce que c'est, la famille. Oui, oui, je sais, mais vous n'êtes pas sœurs toutes les trois. Ah ben, si, si, si. Ah, ben, juste Claire et moi.
Non, mais c'est-à-dire qu'on a promis à maman de dîner avec elle ce soir. Voilà. Parce que vous comprenez, c'est son anniversaire, alors bien sûr, on, oui, on peut permettre ça. Hein, ça. Et moi, c'est mon père, c'est bête. Hein, c'est dommage, hein, je comprends, mais enfin, si vous pouvez pas faire autrement... Non, et maintenant, sinon, vous pensez bien que... Hélas, trois fois, hélas. Enfin, c'est quand même dommage. Remarquez, vous pourriez faire comme Daniel, peut-être. Comment ça, comme Daniel? Ben oui, Daniel, le pauvre, a un dîner d'affaires ce soir. Donc il pouvait pas venir, mais il m'a promis de venir après. C'est gentil quand même. Les filles, on pourrait faire exactement la même chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai que c'est carrément une super idée, vous voyez. Voilà. D'accord. D'accord. Mais écoute, je t'assure que tout va bien. Je sais que je suis bien maquillée, mais je préfère vérifier. Pour un petit dîner de rien du tout, tu fais fort. Vaut mieux mettre tous les atouts de son côté. Mmh. Et bien sûr, un dîner professionnel d'une telle importance, ce serait vraiment dommage de le rater. Oui. Ah, il ne devrait pas tarder à arriver. Oh là là, quand je pense que je rate ce bal costumé, tout ça parce que je suis coincée entre mon patron et mon voisin. Chérie. C'est vraiment pas de chance, hein? Ça doit être pour moi. Ah. Bonsoir, Daniel. Bonsoir, je... Oui, on s'est lancé, elle vous entend, elle est prête. Bonsoir, Daniel. Je ne suis pas en retard. Non, non, pas du tout, on y va. À vos ordres. Bon, allez, au revoir les filles, hein? Passez une bonne soirée. Merci. Vous allez chez Madame Bellefeuille aussi? Non, 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 pas du tout, Daniel. Toutes les trois, nous allons au restaurant. Oh, oh, Daniel, Daniel, vous êtes merveilleux, Daniel. Oh, Daniel, bravo. Non, non, mais attendez, mais sans vous, je sais pas ce qu'on serait devenu. Mais vous êtes sûr qu'il est mort? C'était qui? Il a tellement de détraqués qui traînent. Ah, monsieur, je suis fait, hein. Charlie, c'est toi. Charlie. Je t'avais pas reconnu, je suis désolé. Bah, moi aussi, hein. Il a des dégâts. Bah oui, j'ai deux dents, je crois que ça fait. Mais c'est pas grave, c'était des fauches. Mais ça peut être pas mal pour le déguisement, non? Mais pourquoi toi es venu comme ça sans prévenir? Mais je voulais faire la surprise. Ça va être sympa cette soirée, non les filles? On va rigoler, non? Oui, ça va être une super soirée. Mais ils sont où vos déguisements? Non, 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 non. Nous, on n'y va pas. Ah bon? Bah, ça va. J'ai pas de chance, hein. Moi, j'ai mis 3 heures de maquillage, hein. En plus, j'ai attendu 3 heures, j'ai fait une folle qui était avant moi pour se faire maquiller. Et puis j'ai perdu 2 dents. Oh, c'est vraiment pas de chance. Hein. Bon, furniche. Bon, bah, chalut. Hein. Ah! Qu'est-ce qui lui arrive? Je savais bien que j'allais l'impressionner, mais pas à ce point-là quand même.